Bonjour, bonjour à tous. Je vais faire une petite vidéo ce matin pour présenter mon ordi, le matériel avec lequel je joue et les jeux auxquels je joue principalement. Déjà dans un premier temps, je vous explique. Tout ce qui est enregistré, son et image, c'est grâce à ma carte graphique, une GTX 970, c'est le Shadowplay. Donc c'est un logiciel qui est fourni avec Nvidia, donc qui me permet de créer cette vidéo. Et la petite vidéo que j'ai faite déjà, que j'ai postée sur ma chaîne YouTube, sur Amored, avec Balou et Carwar, une petite vidéo sympathique que j'ai faite comme ça, en direct, live, sans préparation, tout le monde a été surpris. Pour les jeux, Armored, Battlefield 3, Borderlands, Call of, Counter-Strike, Half-Life, Metro, War Thunder, World of Tanks, World of Warships. De toute façon, je ferai des vidéos complémentaires sur tout ça pour vous expliquer. Donc, le matériel, j'avais pris une petite photo pour faire voir. Voilà. Écran Samsung 3D Active. En 40 pouces, donc ça c'est une télé, c'est avec ça que je joue au départ, et j'ai fait l'acquisition d'un écran de PC, un moniteur PC, pas de télé, il n'a pas de tuner ni rien, de 47 pouces, un LG, super, c'est un truc de fou, je m'amuse terriblement avec. Et mon matériel qui me permet de jouer, donc souris, Ouroboros. Donc la souris sans fil avec les poids et tout, le petit tapis de souris Vespula, un côté contrôle, un côté vitesse, comme on veut le mettre. Donc après le pad Orb Weaver, des Razer, couche mécanique, voilà, le support souris, le casque qui va bien, le casque plantonné Krorg. Donc sortie jack 3,5 ou 3,5, sortie USB et sortie optique. Bon là, ce que je suis en train de faire, là je suis directement sur un home cinéma, plus un micro conférence qui est posé sur mon mur. Non, on ne le voit pas. Et le petit clavier Call of. Bon, pour faire voir mon matériel, je vais allumer ceci. Ça va vous définir ma config. Ça sera pas beaucoup plus simple. Je suis en Windows 10 Pro 64 bits, un processeur AMD FX 8350 qui peut monter, vous voyez, jusqu'à 4 MHz. Voilà. 8 cœurs. Ça va très bien. Ah, pour la RAM, j'ai 32 Go. En 1866, ça fonctionne très bien aussi, c'est sympathique. Bon matos, la carte graphique, une GTX 970 Nvidia, c'est une Exo Black Edition. En stockage, 3 disques durs, un 840 et 250 GB et 2 disque dur d'un téra en SIGATE. J'en ai enlevé un qui est en externe. Maintenant, hop. Qu'est-ce que je pourrais vous faire voir d'autre? Je vais vous faire voir. Toutes les appliques. Moi, j'utilise Mozilla Opera. Mon Explorer, il reste là parce que il y était d'origine. Après, j'ai configuré de façon pour pouvoir arriver directement sur les principaux axes pour pouvoir modifier l'ordinateur, tout ce qui est, voilà, programme de fonctionnalité, outils d'administration, etc. Windows 10 pour les novices, c'est un peu compliqué. Donc après présentation, je parle sur Skype.
comme beaucoup d'autres, mais pour le jeu, j'utilise TeamSpeak. Voilà mon TeamSpeak, TeamSpeak 3, TS3. C'est un moyen de communication pour les clans sympathiques. Donc, voilà, Connected. je User has ne connected perds from pas. your channel. Hop. C'est un TS3 que j'ai modifié et que j'ai mis en World of Tank par rapport à la team. Voilà. Donc c'est là qu'on discute avec les copains quand vous avez entendu parler Kervor Balou sur la petite vidéo d'Amored, on était là. Hop. Channel switched. On va se mettre au Muppet Show. On va Microphone couper le muted. micro. Et on verra s'il y a du monde. Voilà. Donc, présentation vite fait de mon matos. Je vous referai une vidéo pour vous faire voir le comparatif des jeux de chars et des autres jeux. Donc, prochaine vidéo, ça sera une petite partie sur World of Tanks pour comparer avec Amored. Bon, ben, merci bien d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à une prochaine. Bye!